Agnès Varda, je l'ai connue en 2019 à sa mort. Les gens en ont beaucoup parlé. Je ne m'y suis pas tout de suite intéressé. Le premier film que j'ai vu d'elle, c'est Visage Village. J'ai trouvé ça bien. Je ne la connaissais pas avant de travailler sur elle et fus très heureuse de plonger dans son univers. Ses différentes errances et portraits. Film la campagne, avec des rencontres, des portraits, des lieux-dits. Ces jolies femmes, ces jolis paysages. Il y a aussi des autoportraits. Et les graffitis et les muraux. La mort et la vieillesse. Avec Cléo, j'ai suivi son parcours de femme seule et apeurée. J'ai vu sa coquetterie et son orgueil, et apprécié son changement, son ouverture aux autres. Une petite bonne femme, là, toute mignonne, à qui on a envie de faire des gros câlins dès qu'on la voit, qui m'a beaucoup inspiré, par sa simplicité, de dire des choses vraies. Parce que c'est la vie. Tout ce qu'il y a de plus simple, de nature, et de réel en soi. Des marginaux, des pauvres, des exclus de la société, mais aussi des personnes banales ou des riches. Les gens qui n'auraient pas forcément de visibilité d'habitude, elle va les voir simplement. Chacune de ses œuvres m'a permis de comprendre un peu mieux la situation des marginaux. Et en prêtant attention à eux, on se rend compte que c'est des gens ordinaires, comme tout le monde, et qui ont même parfois une vie extraordinaire. Avec un style de film particulier et incroyable, qui nous a permis de voir le monde sous un autre point de vue. J'ai traversé la France, glanant des informations. Ma grand-mère, elle a eu glané, plus jeune. Mais elle parle aussi à l'art et à la créativité. Elle remet en question le documentaire dans Les glaneurs et la glaneuse et elle filme l'art. Des tableaux, des installations, des sculptures, des photos, des artistes. C'est l'une des plus grandes réalisatrices que je connaisse. Une grande source d'inspiration pour moi. Celle qui a fait changer la vision sur les femmes au cinéma. À chaque fois que je vois quelqu'un, j'ai envie de le filmer, de le questionner sur ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Elle inspire la simplicité des choses. Ce que j'aime de ce qu'elle fait, son improvisation pendant le tournage. Petite femme très imposante et importante, qui m'a fait réenvisager la manière de faire un documentaire. Tout ce qu'on filme au quotidien a un aspect documentaire parce que la vidéo la plus simple qu'on envoie à nos potes sur Snapchat, c'est une trace. Gros bisous à toi Agnès.